Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Finalement, il y a vraiment des intérêts acheteurs, puisque regardez comment on a rebondi une fois de plus à la fois sur la moyenne mobile à cette séance, comme hier, et sur le bas du canal bleu, comme hier aussi. La capacité de résilience des indices est vraiment manifeste. Nous sommes toujours bien orientés, puisque tous les repères haussiers ont été préservés, et a fortiori la moyenne mobile à 20 séances, qui est toujours inviolée depuis le 27 juillet, et tant qu'on sera au-dessus, eh bien on sera en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont également bien orientés, puisque le stochastique, même s'il est sous son signal, demeure dans la zone de surachat, supérieur à 80, donc ça c'est bien. Nous avons également un MACD qui est très bien orienté et qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement, c'est-à-dire que le MACD était en train de rebiquer vers son signal, comme l'indique la passage rouge là, et puis là on repart vers le haut, ça c'est un signal qui est haussier, et le momentum qui est positif aussi, donc tous les éléments sont au vert. On dirait qu'on s'apprête à faire un nouveau test de la zone de résistance, ici les 3450, 3460. Attention à ce qui va se passer demain, parce que si on devait faire un plus haut par rapport aux 3450, c'est-à-dire le plus haut du 9 août, sans qu'on ait de plus haut sur les indicateurs, on rajouterait à l'incertitude ambiante et bien une divergence baissière sur les indicateurs, donc attention. En tout état de cause, pour l'instant, on est aussi. Alors, je vais quand même tracer des fibos, on ne sait jamais, peut-être que c'est anticiper un peu vite ce qui va se passer, mais voilà. Voici notre dernière jambe de hausse. On voit bien clairement là que la séance d'hier nous a amené à tester les 23,6% de retracement Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé 23,6% de la hausse qui a eu depuis le 2 août jusqu'au 9 août. Prochain support horizontal des les 3410, et bon, on verra si on arrive à passer ou pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.